Salut à toutes et à tous, bonjour les gens, ici J12, bienvenue pour cette nouvelle mission que je vous propose sur Advance Squad. Et nous entrons dans Yellow Comet. Voici l'armée d'Aranjtar. Ils essayent de me voler mes terres. Jamais au grand jamais, les forces impériales de Kanbei vont les repousser. Ok, d'accord. Non. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je ferai de mon mieux. C'est mon tour. Eh bien oui, c'est ton tour. Kanbei arrive. Oh non, j'avais prévu d'éviter Yellow Comet, mais les forces impériales de Kanbei nous ont repéré avant même que nous ayons traversé la frontière. Force impériale de Kanbei. Il paraît que ce sont les troupes les mieux entraînées. Le coût de leur équipement et leur solde élevé rendent cette armée difficile à entretenir. Les plus entraînés, hein, ça va être marrant. Je ne crois pas qu'il te restera beaucoup d'énergie pour rigoler. Allez, c'est à toi. Très bien, alors voyons voir ce qu'on a. On a des lance-missiles, deux tanks moyens, ouais, on a deux petits tanks. On va dire qu'on est à... Non, pas armes égales. Mais, il y a moyen... Je vois pas trop comment, en fait. Ah non, c'est bon, on passe par là. Ouf, j'ai eu peur. Donc, ce que je fais, c'est très simple. Attendez, est-ce que... Non, ça va, il pourra pas. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va affaiblir cette unité ici. Voilà, donc ce lance-missile. On va retirer ça. Est-ce que... Ouais, il vise même ma ville. Quelle enflure. Il les a mis tout près. Alors ça va là. Ça va là. L'infanterie, elle va ici. Les bazookas, eux, partent par là. Très bien, alors. C'est bon. Alors, niveau lance-missile, ici. Le tank a intérêt à boucher. Ah bon, regardez, en fait, on peut librement attaquer les lance-missiles. Du coup, j'ai fait une petite couille. Très bien, alors comment dire, bon bah là c'est bon hein, nos unités sont fin prêtes, c'est parti. Hein, ouais, bon, ah ouais, quand même il a de la puissance malgré qu'il est que 3. Ouais, ça va, c'est potable. Ouais, c'est pas la meilleure des situations, j'avoue. Et le mec qui m'attaque... Attends. Ah ouais, mais d'accord. Il avance toutes ses troupes d'une traite. Il a pas peur, le mec. Ah, alors là... peut-être que je vais réfléchir à deux fois. Hein, on s'appelle, hein, si possible. On en parle ou ça se passe comment? Parce que là, visiblement, c'est soit je recule, soit je me fais tuer. Mais bon, on a nos... Faut pas oublier qu'on a nos lance-missiles non plus. En plus, ces lance-missiles à lui, si j'ai bien regardé, il les a pas laissés dans des villes. Ou du moins, des villes qui sont occupées par lui. Le bazooka, on va le mettre ici, comme ça, peut-être qu'il va se faire attaquer par un éventuel tank. Ça, on va le déplacer le plus près possible. Genre... Bah, genre là, voilà. Ici.
Lui, on va le déplacer un peu plus, hein, parce qu'il s'est fait toucher, le pauvre. Non, non, fais pas n'importe quoi. C'est pas le moment de passer son tour. Et puis on est bon. Voilà. On va voir comment il va réagir. Mais en tout cas, ça... Ah, mais il me lâche pas. Hein. Il me lâche vraiment pas. Ouais, bon... ça se passe de commentaires. Ouais, c'est bien ce qu'il me semblait. Il va attaquer mon bazooka. Qui va pouvoir lui faire bien mal. Ouais, bon, c'est pas non plus... Aïe. C'est mal barré. Ces troupes font vraiment beaucoup de dégâts. Regardez ça. Ouh, il a son pouvoir de près. Ça rigole plus. Alors on va foncer dans le tas. Répare à fond. Je vais te réparer autre chose, moi. Alors, très bien. Alors son tank est dans ma ligne de mire. On va utiliser notre artillerie comme elle se doit. Comme elle se doit d'être utilisée. J'ai juste envie, voilà, d'enlever ça parce que ça commence à me gêner. On va attaquer ces machins chouettes. Ah ouais, c'est quand même des gros tanks qui sont assez résistants en plus, ma foi. On va vraiment attaquer tous ces tanks. Ces tanks M, je précise. Sa défense va lui permettre d'être large, hein, en termes d'attaque. Lui, on va l'attaquer le plus possible. Voilà, donc 3-2, c'est la guerre entre ce tank et moi. Et bah, j'ai envie de dire, ce tank, j'ai envie de le... Ah, je peux pas. Damned. Je peux pas... Bah écoute, on va laisser un tank s'en charger, hein. Il a vraiment beaucoup de défense, le type là. C'est limite abusé. On peut toujours... Ah non, mais attendez, non, on fait ça. Voilà, on use notre tank moyen pour quelque chose. Et lui, bah... Il va servir à tuer ce tank là. Par contre, avec son pouvoir, après, il va pas se gêner. Hein. Bon, avec les troupes qui lui restent, y a moyen de faire quelque chose de bien. J'ai tout de même un peu peur pour la suite. Je vais placer le bazooka ici de telle sorte à ce qu'il peut se faire attaquer. Les forces impériales de Cambay vont te montrer leur véritable pouvoir. Tout en restant modeste. Courage. Allez, on s'entraîne plus dur. Ouais, attaque mon VTB, je m'en fous. Ouais, la puissance qu'il a. Waouh. Ah, avec une salve, quand même. Il fait mal. Au revoir, mon bazooka. Bon, une fois qu'il gagne, lui. Eh, le bazooka qui attaque mon tank. Oh, la blague. Le bazooka qui essaie de me troller. Mais rien du tout, mon gars, tu vas pas me troller. Enfin, si, il me résiste un peu, mais... Voilà.
Qu'est-ce que je peux attaquer? Ça, ça, on va attaquer ça. Ça me semble être un bon plan. Yeah! Comment c'est un combat à mort? Je vous explique pas comment un répare à fond ça me serait utile là tout de suite. Là tout de suite ça me serait bien utile. Bon allez, on va utiliser le lance-missile. Parce que bon, il faut bien qu'il serve. Notre tank, il va servir comme il peut. Allez, essaye de le tuer. Yeah. Même un tank avec 3 petits PV, il peut faire quelque chose. Et ça, c'est cool. On va affaiblir son... Ouais, son artillerie. Elle peut faire mal quand même, faut exagérer. Et c'est parti. T'attaques encore mon VTB? J'ai un peu peur pour la suite. Ouais, je m'en doutais. Mais est-ce qu'il va me le tuer? Non. Ça m'aurait étonné vu qu'une artillerie c'est moins puissant que... Oh non, alors toi? Alors toi? T'as vraiment cru que j'allais te laisser te régénérer tranquillou tes PV avec un tank M? Mais je vais foncer dans le tas. Je vais clairement foncer dans le tas. Toi, tu dégages. Alors, son tank à 1 PV, il risque pas de me causer des soucis. J'ai pas perdu une seule barrette de vie. De ouf ici. Tout se passe bien pour le moment. J'ai toutes les chances de gagner. Plutôt qu'à faire, on va utiliser le lance-missile. Et vu qu'ils se trouvent dans des villes, bah, ils peuvent récupérer leurs ressources. Un combat entre infanterie. Serré. Plutôt serré, ouais. Il se défend, hein, il se défend. T'y arriveras pas, mon gars. Et attendez, on va essayer de tuer son tank. Avec mon infanterie. La honte, sérieusement, pour lui. Une infanterie qui tue un tank. Qui l'eût cru? Alors là, il est tellement pas dans la merde. Je me suis un peu inquiété pour rien. Finalement, ça se passe bien. Il y a juste son tank qui pourrait me causer des soucis, mais au pire, il régénère quelques PV, qu'est-ce qu'il pourrait me faire? Régénère tes PV, moi j'ai pas peur. Regarde, je t'attaque direct mon gars, rien à foutre. Essaye de résister. La partie n'est plus un souci. C'est pas des infanteries qui vont faire quelque chose. Quoi qu'il en soit, mon gars, t'es out.
Rien pour qu'il soit un peu deg, je vais lui reprendre sa ville. Et bah c'est pas... On aura perdu qu'une seule unité dans l'histoire, c'est un bazooka. Il se défend même pas. Comme ça, il se défend pas. Il résiste, hein. J'ai quand même l'honneur de t'annoncer que c'est fini, mon gars. Tu t'es bien battu, tu peux abandonner. Le mec, il met 100 ans à le tuer, quoi. Avec deux unités. À tuer. Mais le mec, il a toute une armée. Il est disponible. Alors, on va essayer de le tuer avec un tank à 3 PV. Et ça passe! Incroyable. Autant d'unités de Kanbei vaincues aussi rapidement. Quelle honte. Retraite. Waouh, ils étaient doués. Pas autant que nous, Andy. Très bien. Rang argent. Donc, j'ai pas sauvegardé, mais c'est pas grave. Mission terminée. Je vous retrouverai, les gens, pour un nouvel épisode. D'attendre ce soir. Excusez-moi si j'ai oublié le nom du jeu. Pendant une seconde. Mais bon, c'est l'hésitation. Et je vous dis à plus. Et peace!